Salut à tous, c'est Elias. On se retrouve aujourd'hui en Allemagne, à Francfort, pour assister à un combat tout simplement historique pour le MMA belge, puisque Lossene Keita, 24 ans seulement, 8 combats, 8 victoires, va disputer ce soir la ceinture des lightweights de l'Octagone MMA. En face de lui, il aura un adversaire que vous connaissez certainement, Ivan Bushinger. Il y a quelques années, il s'était incliné face à Conor McGregor ou encore Saladin Parnas. On dénombrera la présence de 10 000 supporters, soit le plus important des événements MMA organisés pour l'instant en Allemagne. Alors on a obtenu les accréditations presse. Je vous emmène avec moi, suivez-moi. On est en face du vestiaire de Lossene Keita. Petit moment de recueillement spirituel. Il est en train d'effectuer sa prière avant l'échéance, le grand combat. Le main event, je le rappelle, de cet octogone 33. Il sera opposé à Ivan Bushinger. Allah Yaqbal. Lossene Keita, ça va? Tu vas bien? Comment vous allez, les gars? Vraiment un grand plaisir d'être ici. Tu as marqué l'histoire du MMA belge. On voulait vraiment assister à ça. Comment tu te sens? T'es prêt? Comment ça se passe? Ouais, je me sens prêt. Je sais pas, comment on dit ça, je sais pas... Pas de stress, pas d'angoisse. Ça va, ça va. Donc laisse te préparer. Hein. Après un échauffement d'une trentaine de minutes dans une salle prévue à cet effet, Lossene retourne dans son vestiaire. Il est rejoint par certains de ses amis venus spécialement pour l'encourager avant son title shot. L'ambiance elle est détendue, la musique festive, et Lossene en profite pour relâcher la pression quelques instants avant d'entrer dans l'octogone. La concentration est maximale avant le combat le plus important de sa jeune carrière. Les officiels de l'octogone nous signalent que le main event s'approche à grands pas. Le coach principal du Guinéen d'origine lui suggère alors d'effectuer les derniers ajustements.
Donc voilà, tu t'es imposé sur Tikeo au premier round face à Ivan Bushinger. Ça reste quand même un énorme adversaire. Ah. Dis-nous, qu'est-ce qui t'est passé par la tête dans ce combat? Du rêve. Je savais. Tu vois, je connais mon style, je connais son style. Et je savais que je voulais le mettre KO. KO, je savais pas, mais je savais que je peux gagner ce combat. Tu vois. Et comme je vous ai dit avant, il est pas... J'ai plus faim que lui, tu vois. Et ouais, maintenant, je suis prêt pour tout. Younes, Steven, King, ils m'ont trop aidé. Je suis trop content, tu vois. Et je ne veux pas notre équipe sans eux, tu vois. Même si là où on va, on est ensemble, tu vois, ils m'ont trop aidé. J'espère qu'ils sont contents. Tu m'as dit quelques jours avant que ta préparation, elle s'est bien passée, mais il y a eu un petit problème. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ah ouais. Comment on appelle Une semaine avant le combat, on a cassé mon nez. C'est un peu marrant, tu vois. Alors, j'étais un peu... J'étais pas stressé, tu vois, parce que les gens qui se battent sans pied, qui a besoin d'une nœud pour se battre? Moi, j'ai fait ça. C'était juste ça. Sinon, j'étais bien préparé. 9 combats, 9 victoires, il est invaincu. 9 combats, 9 victoires. Je te souhaite la 10e. 24 ans, t'es encore jeune, beau gosse, charismatique. Félicitations, le CNE. Très beau. J'espère que t'es pas venu pour rien. Non, pas du tout. Ouais, j'avais ça dans ma tête. Il m'a vraiment sauvé de la vie parce que quand j'avais 18 ans, quand tu me demandais, tu veux être quoi, je ne savais même pas. De la vérité, je ne savais même pas. J'avais un ami à moi qui faisait le MMA et ben, quand je suis sorti de prison, je me suis bagarré avec quelqu'un, tu vois. Et il y avait un ami à moi qui faisait le MMA, il m'a dit, ben, viens, tu sais te battre, pourquoi gaspiller ton temps dans la rue, tu viens t'entraîner chez moi. À la base, je ne voulais pas, tu vois. Je dis non, c'est pas mon truc, parce que dans ma famille, il n'y a personne qui fait du MMA. Puis il m'a forcé un peu, je dis pourquoi pas. Je suis parti, après l'entraînement, j'ai trop kiffé. Et ben, j'ai suivi le chemin. Avec cette victoire et sa ceinture, le Séné confirme son statut de plus grand espoir du MMA belge professionnel depuis 2019. La Panthère fait un pas de plus vers une potentielle signature à l'UFC. C'est complètement fou quand on connaît le parcours semé d'embûches du Guinéen d'origine. Félicitations à lui et à toute son équipe pour une performance digne des plus grands.